Bonjour, nous sommes samedi et je dois vous avouer que je suis de très 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 mauvaise humeur. Hier soir, donc vendredi, 19h, la chaudière a ressauté. Mais là, elle indiquait un autre message. D'habitude, c'était message 13, donc on l'a relancé. Mais on a regardé en fait, et c'est le message qui t'indique que comme ça a sauté plus de 6 fois, l'inflammation, le gaz, machin, il faut plus la relancer, quoi. Ça commence à devenir dangereux. Oh, Colissimo qui arrive, il est midi et demi, j'y croyais plus. C'est très important, je vous reprends juste après. Oui, donc ça y est, j'ai le colis que j'attendais, ça c'est top. Et en fait, la chaudière a indiqué un message 4, donc on a regardé, ça signifie en gros, je vous l'ai dit là, je crois juste avant, il faut plus la relancer. Donc depuis 19h hier soir, là il est midi et demi, nous n'avons, mais alors pour le coup, plus du tout de chauffage. Or, il y a plusieurs semaines, on n'arrêtait pas de la relancer, on arrivait à mettre du chauffage, à alterner, donc on avait toujours plus ou moins une petite source de chaleur, on oscillait, donc 11, c'était toujours là-haut, mais on s'en fout, je dormais plus là-haut. Mais dans la maison, on arrivait à tenir du 15. Là, on est à 11 degrés partout. J'ai la tête, j'ai mal à la tête, je me suis réveillée mal à la tête, bien sûr, je dors toujours ici, mais en plus, on sent une humidité, j'ai dans le dos, et je me dis, voilà, encore 4 jours, non, 3 jours, 3 nuits, c'est long, c'est très très long. Et ça joue sur le mental. Alors vous allez me dire, pourquoi tu... Le radiateur, je vous ai dit, donc ce n'est pas possible d'installer des radiateurs électriques, des machins à pétrole, ça c'est pas possible. Mais alors là, au moment où je vous parle, c'est une chape de froid partout. Donc bon, on se couvre. Là, j'ai mis ça. C'est, vous savez, c'est le... comment ça s'appelle? Ce truc danois. Quand tu fais des marathons, c'est très très chaud. Oslo, je sais plus, bon bref, c'est ça. Ça c'est quand je prenais l'avion, ça fait, c'est doux, et en plus, hop, regardez, hop, c'est comme ça, donc ça te couvre, en plus tu peux serrer. Et j'ai mis aussi un legging plus des bas en laine. C'est très très pénible, d'autant plus que moi je vais commencer la prod début de semaine. Là je devais faire ce week-end tous les cartonnages, mais je n'ai qu'une envie, c'est d'aller, je sais pas, j'ai même pas la force, j'ai mal à la tête, j'ai un début de migraine. Et pour la maison, c'est très mauvais, l'humidité. Mais ouais, non, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Mais bon, Eric, comme il me dit, attends, c'est que 3 jours. Oui, c'est pénible, mais c'est que 3 jours. Il a pas tort. Il a pas tort, mais bon, quand même. Et quelle heure, là? Il est 2h, je vais aller un petit peu me réchauffer chez ma maman. Jack, je lui ai mis, il est là. Je lui ai mis une petite couture, quand même. Ça va, mon loulou? On a froid, hein? Oui, on va faire des câlins avec papa, t'inquiète pas. Ça va aller, mon chéri. Bon, bah écoutez, j'ai profité du chauffage de la voiture. J'ai roulé. Et là, je vais à Decathlon pour m'acheter un bonnet, parce que ce que j'ai là, avec la capuche et puis le truc pour la nuque, c'est bien pour dormir, mais le reste de la journée, parce que je vois rien, quoi, en fait. La nuit, c'est bien, mais il me faut un bonnet un petit peu ample. En même temps, je vais profiter du chauffage du magasin. Après, je pense aller voir ma maman. J'avais pensé ce soir me dire, tiens, on va aller manger quelque part pour profiter aussi du chauffage d'un restaurant, mais vraiment pas le courage. Je suis tellement fatiguée, j'ai mal au crâne que non. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est pas... C'est quand même sympa, le chauffage. Le bonnet qui assure le chaud, 8€. Mais c'est top, ça. Bonnet de ski. Ils sont sympas en plus. 40€. Voilà. Elle a l'air bien quand même. C'est spécial polaire de randonnée. On est en 40. Donc, vous m'excuserez, hein. Il y a le chauffage. J'ai pris ce bonnet, il est très confort. Voilà, beige, on va dire. Et j'ai pris ça, et c'était à 10€. Et c'est pareil, c'est doux, c'est chaud, c'est pour les randonnées. Voilà. Je suis chez ma maman. Une petite bouteille d'eau? Non, ça va, maman, merci. Résultat. Parce que là, on ne peut pas dormir. Sans rentrer dans les détails, on ne peut pas dormir. En tout cas, aujourd'hui, ce soir, chez ma maman. Mais on ne peut pas non plus, franchement. Rester, c'est pas possible. 11 degrés, c'est pas possible. Donc, on a décidé qu'on allait dormir à l'hôtel. On va pouvoir prendre la douche, le shampoing, parce qu'on va se prendre McDo, un truc chaud dans l'hôtel. Et voilà, et puis on repartira au plus tard demain vers 11h30. C'est ça le programme. Eh bien, j'en profite, je vous montre. D'ailleurs, elle est très belle, ta petite déco, maman. Ça, c'est le calendrier de l'Avent. Ça diminue. T'aurais pas essayé de l'ouvrir, celui-là? Le 10, il y a quelqu'un qui a essayé de l'ouvrir. Non. Ah, si. La petite composition. Ah, c'est joli ce que t'as fait. Donc ça, c'est la... Tu l'as coupé ou quoi? Non, j'ai... Non, ça, ah, tu as attendu parce que la tige était grande. Non.
Là, moment, ça, c'était dans le calendrier de l'Avent. Elle est pour magnifique. Le moment, c'est comme ça. Après Noël, je la mettrai ailleurs. Ok, bah, c'est très beau. Quand voilà. Je vous dis qu'elle aime bien faire des petites compositions, ah, je pense que ça peut rendre même à la caméra. J'aime bien. Bon, par contre, je vais pas traîner. Il commence à faire nuit. Le temps, c'est quand même pas la folie. Bon, je file là, réserver la chambre. Après, je rentre à la maison, je fais mes petites affaires. Je m'occupe de Jack, je vais lui faire une petite bouillotte, je vais lui faire un petit igloo pour qu'il soit bien. Je vais pas l'emmener à l'hôtel. Et puis, bah, après, on passera au McDo, tout ça. Franchement, c'est le bon choix, c'est plus possible. On va vraiment tomber malade quoi, si on reste là. Allez. C'est bon, la chambre est prise. Il fait bon surtout. J'ai une hôtel. Je vais me faire un malin plaisir à prendre ma douche, mon shampoing. Ça va être ouf. Grande douche. C'est l'hôtel entre Beauce et Perche. J'ai l'impression que je me suis pris une saucée sur la tête. Un petit coin banquette. Ça. Voilà. Si j'en vais mettre à 22, 23, on va se calmer, mais on va mettre à 20, 19, 20, c'est bien. On est au rez-de-chaussée. Bonne soirée, Marcel. Non, bah, je suis très contente de cette chambre. J'allais rentrer à la maison et je suis passée devant la maison des brocanteurs, là où je vous avais déjà montré les ventes, les estimations. Il y a un éclairage, c'est magnifique. Je bouge pas trop. Voilà, j'ai trouvé ça très mignon, je suis allée. Je vous cache pas que je suis très soulagée quand même de ne pas dormir ce soir à la maison, vraiment. Bah oui, maman elle est revenue. Avec tout ça, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré le calendrier de l'Avent. Le 9 est là. Hop. Encore un rouge à lèvres. Alors, ça veut dire qu'il va falloir que je l'essaie. Oh non, demain. Alors, je ne suis pas mécontente, au contraire. Par contre, bon, j'espère que c'est pas le même. C'est le même, hein, quoi qu'il a l'air moins... Vous savez quoi? Je vais descendre l'autre pour voir la différence. Voilà. Ah, c'est pas le même, c'est pas le même. Ah bah ça c'est chouette, donc c'est absolument pas le même. Enfin absolument, non, pas abusé. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai essayé, celui d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Et celui-ci qui est légèrement plus. Ah j'aime bien. Vu que ça, ce qui me dérangeait, c'était le côté un peu maraudé, un petit peu plus sombre. Ah, je l'ai serré. Bon bah écoutez, je suis contente. Je l'ai serré dans cette vidéo, hein. Je l'essaierai demain, quand on reviendra de l'hôtel. Calendrier de l'Avent de ma maman, je vais chercher mon téléphone. J'ai pris un tube de crème, et je crois que tu peux le mettre sur le visage également. Mais perso, je l'ai jamais testé. Il nous restera encore, donc, dans cette vidéo, bah, demain et lundi. Là, je vais faire mon petit sac. Je vais voir Eric aussi. Il est content. Eric aussi, je vous l'ai dit, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça ramollit le cerveau. Hein. Ouais, il est très content aussi. Hein. Bon, ben voilà, on va y aller. Je vais préparer son petit igloo avec la bouillotte. Tu vas être bien là, mon bijou, hein? Oui. Bon, de retour à l'hôtel. Eric se douche. Il va y avoir de la buée, je pense qu'il doit. Il doit se doucher hyper chaud. Après, on va aller chercher McDo pour. Comme c'est Starac. Comme ça, on va manger devant Starac. Ah, ça m'a fait mal au cœur de laisser mon bijou. Après, j'ai mis plein de couvertures, des machins. Et quand on partait, il commençait à aller dedans. Et je sais que là. La bouillotte, elle va lui tenir chaud. Allez, à mon tour, prendre la douche. Putain, il fait tellement chaud là-dedans qu'on se voit plus. Ah, cool, livraison. À 8h30, on va aller au petit-déj. Je ferai mon shampoing après. C'est joli, l'espace pour déjeuner. Shampoing, ça fait du bien. On va rentrer, on va aller voir Jack. Il doit être 10h30, 11h peut-être. Nous sommes de retour à la maison. Il est 11h08. Je suis essoufflée et ça m'a bien réchauffée. J'ai fait du sport. En fait, j'ai monté tous les escaliers à fond pendant au moins 20 minutes. Je fais du cardio pour tous les cartons parce qu'il faut absolument que je m'avance. Aujourd'hui, c'était prévu. Vous savez, je les tamponne, Eric va m'aider. Je les tamponne, je les mets en forme. Et comme ça, demain, il me restera les bordereaux. J'aurai plus que les bordereaux pour commencer après mardi, quand tu auras normalement le chauffage, la production. J'ai retrouvé Bio et je me suis rendu compte qu'il a dormi sur ma bouillotte. Je viens d'en refaire une nouvelle. Il était tout content de nous retrouver. Ça va, franchement, il avait la forme et tout. Je lui avais vraiment fait un petit espace bien chaud. Ça nous a vraiment fait beaucoup de bien.
Déjà la douche, deux douches, je suis restée hyper longtemps dans la douche chaude, j'ai fait mon shampoing, le lit bien chaud, enfin c'était top. On réitère, on retourne à l'hôtel ce soir exceptionnellement, et puis demain soir, ce sera la dernière nuit, voilà, vu que le plombier s'il vient très tôt, j'ai envie d'être là dès la première heure. En plus demain Eric, bah, il reprend les cours, on est lundi. Il m'a dit non c'est mort, il est hors de question que je prenne pas de douche pour aller en cours. Mais je lui dis ouais mais attends non, il est hors de question non plus que tu allumes ça pour faire un test si ça pète, non, donc voilà, donc il aura sa douche, on va bien petit déj et puis on va bien dormir. Ça revient cher mais franchement là c'est 4 forces majeures. C'est vraiment dommage, quoique non, c'est mieux pour vous, que vous ne vous rendiez, que vous n'ayez pas la perception de ce qu'on ressent. Vraiment, c'est quelque chose. Donc, je m'avance, je bosse, et puis c'est cool. Alors, on aura remarqué le sublime bonnet, hein. Par contre, j'ai sorti ça, le rouge à lèvres. Je vais le mettre, le nouveau rouge à lèvres. Je vais me mettre devant la glace et je vous montre. Et après, on ouvre la case numéro 10. Il est très beau, hein. Il est plus clair. Et peut-être qu'il tend un peu plus vers le orangé, je sais pas. Ouais, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Par contre, regardez un petit peu. J'ai ça. J'ai ça, c'est le nouveau que j'ai pris chez Decathlon, c'est pas terminé. J'ai ça et j'ai la quatrième couche, peut-être un peu trop loin, comme ça, qui retient toute la chaleur. Allez, c'est parti. Ah non, calendrier. Le calendrier. Tu veux de l'eau fraîche, mon Bilou? T'inquiète pas, tu vas en avoir de l'eau fraîche. Ouais, ça, il aime bien de temps en temps voir au robinet. Alors, tu m'aides, Jack? Elle est où la case numéro 10? Petite miniature, c'est la première de parfum. Par contre, il y a quelque chose de très très étonnant, c'est qu'il n'y a aucune indication. Je ne sais pas quel parfum, je ne sais même pas, donc il n'y a même pas marqué Lancôme. Il n'y a absolument rien. Et le calendrier, ma maman, oui, ça, je vous l'avais montré d'ailleurs. Acheté à Rituals, c'est un shampoing sec qui va venir gainer, donner un petit peu de volume aux cheveux. Voilà, donc je me lance sur les cartons. J'ai mis tous les cartons dans la salle télé et tout à l'heure il m'a dit qu'il allait se mettre un film et puis il allait faire ça. Donc c'est cool de sa part. Alors il fait sombre, mais regardez, il n'est que midi. Il n'y a absolument rien qui va dans ce look, c'est pas possible. On a très bien, je peux dire on, hein, parce qu'il m'a aidé. Il a fait tous les cartons. J'ai fait le montage de ma vidéo aux trois quarts, mais arrivé sur les coups de 17h, je pouvais plus. Vraiment trop froid, même mes mains, enfin voilà. Donc là je suis descendue d'un étage. On est avec Jackie, la bouillotte qui est bouillante, mes 4 couches. Je regarde un petit épisode en attendant qu'Eric il ait fini ce qu'il a à faire, puis après on va filer quoi. Et ce qui est bien, c'est que de l'hôtel je peux le voir puisqu'il y a la caméra. Ouais. Donc comme ça je vois comment il mange, ce qu'il fait. J'ai vu qu'il avait bien joué aujourd'hui, avec un petit élastique qui traînait. Je suis sur cette série en ce moment. C'est pas tout jeune, mais je sais pas, j'aime bien l'ambiance. Donc c'est un policier, bien sûr. Il a clairement bien avancé, là. Il y en a également ici. Bon. Il est 19h. J'ai retiré le bonnet, j'ai retiré 2 couches. Et bon, on va aller manger au chaud Buffalo, parce que l'hôtel ne fait pas, je crois pas, hein, on ne propose pas de service, sauf le petit déj. Il est quand même très rouge. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser. Bon, on est passé dans la chambre, juste déposer les affaires. C'est la même, sauf le papier peint. J'aime bien. Ah, mais attends. Dans l'autre, c'était un canapé, là. C'est un fauteuil. Oui. J'avais pas fait gaffe. Donc là, on va aller au Buffalo. Je crois qu'on va faire un petit saumon. Un petit pavé de saumon avec le riz. Il est pas mal ici, je trouve. La diligence, qui a bien changé, d'ailleurs. 80 euros. Ça fait deux bacs d'eau. 80 euros. On revient, quoi. C'est tout qu'on a pris de l'apéritif. Ben ouais. Ça vient d'où? On est à l'hôtel. Ah, c'était parce que la porte là-bas est ouverte, non? L'alarme. Il doit être 7h05, on vient de passer au petit déj. C'était d'ailleurs très surprenant. Dans cette petite salle, on est arrivé, il n'y avait que des CRS qui étaient en train de déjeuner. Bon, ils avaient leur arme. Ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle à 7h30. Et ben là, on se dépêche. Eric, il a cours à 9h. Il va me déposer. Moi, j'ai plein de trucs à faire. Notamment, je vais appeler le plombier, ça c'est sûr.
pour qu'il me confirme que c'est bien demain. Auquel cas, ça voudrait dire plus qu'une journée dans le froid. J'ai également, parce que ça y est, c'est terminé au niveau de la bourse de Noël, donc il faut que je leur donne les tout derniers chiffres, parce qu'il y a eu tellement de commandes encore jusqu'à hier, 23h59. Mais sachez que les personnes qui veulent faire un petit cadeau, vous pouvez encore, c'est tout le temps, prendre la carte cadeau. Je sais que la dernière, il y en a plein qui l'ont prise. Vous pouvez le faire jusqu'au dernier moment, en fait, un mois, trois mois, six mois. À coup sûr, vous faites plaisir. Hein. Pas ouf la coiffure. Hein. Bon, de retour à la maison, je suis en train de mettre ma tenue. Donc ça, protection, deuxième couche. Tac, tac, on va se mettre quoi après? Je vais mettre ça. Bah oui, mon billon, on va faire des petits bisous. Il est 8h27. Ah, ça commence à être bien, là. Voilà, je suis parée. On dirait pas, hein, je suis chez moi. Bon, j'ai un boulot de dingue qui m'attend, donc il faut absolument que je bosse, quoi. J'ai déjà passé 3 coups de téléphone, ça avance. Mon bébé de l'amour, on en a marre, hein. On en a vraiment marre, regardez. Est-ce que vous savez pas, c'est qu'il a la bouillotte juste en dessous de ça. Je l'ai mis bien, mon bébé. Bah oui, ça va revenir demain. Alors, je viens d'avoir le plombier, donc elle m'a confirmé que c'est bon, l'intervention demain. Et je lui ai posé la question, est-ce que avec le code 4, le fameux code 4... Ah, elle m'appelle. Un problème de gaz. Ouais. Bon, bah, comme elle est vétueuse, de toute façon. Réessayez, hein, de toute façon, ils disent que ça risque rien. Oh, bah écoute, bon, ça c'est une bonne chose. Donc voilà, il m'a confirmé que demain, il venait. Donc ce midi, on va manger chez ma maman. Ça c'est cool aussi. C'est bon, t'inquiète pas, le chauffage il va revenir. On va être bien, mon bébé. Oui, cache-moi tes petites papounes. Jackie, il avait trop froid. Il a tellement froid qu'il se déplace même plus pour la croquette. Quoique, tu vas avoir un petit pâté aujourd'hui? Vous l'entendez ronronner? C'est vraiment pas drôle, hein? Oh non, je ne l'allume. C'est flippant quand même. Attention. Oh putain, je me barre. Vite, vite, viens, Jack, viens. Putain, je l'ai rallumé. Bon, j'ai laissé un peu chauffer, ça fait 1 heure. Et ça y est, ça remonte. Il fait 14 degrés dans la maison. Cool, on a déjà pris 3 degrés. Ah, c'est top, il faut que ça tienne. La fille, elle est contente, il fait 14 degrés chez elle, waouh. J'ai retiré le bonnet. Ça, c'est bon, ça. Est-ce qu'on fêterait pas ça en ouvrant le calendrier? Que j'avais complètement oublié. Ça m'a l'air d'être une case assez conséquente. Oh, peut-être un tube. Un tube, allez. Un tube. Un format qui est plutôt chouette, en plus, c'est le tout premier, hein, gel douche, du calendrier. Hein. Bon. Faut que j'aille travailler. Ouais, il faut y aller. J'ai même pas vlogué. On sort du... Bah, il doit être 2h30. Ah oui, c'est possible. On est en train de manger. Et je vais arrêter maintenant ce vlog aussi. J'espère que ça vous aura plu. Que d'aventure. On se retrouve mercredi. Ciao.